Bonjour à tout le monde. Je vais vous montrer comment utiliser les produits. Bonjour, bonjour Fatou. Oh, bonjour, bonjour. Beaucoup d'entre vous, vous avez reçu vos produits et vous ne savez pas comment les utiliser. Je me rends compte que vous êtes assez paresseux, vous ne venez pas regarder les vidéos, je ne sais pas pourquoi. Donc je fais une autre vidéo pour vous montrer. Là c'est une box qui contient les choses d'un client. Là dedans vous avez les encens. Là sont les encens pour les clients. Appeler les clients. L'encens à l'intérieur, il y a un plastique comme ça. Et là-dedans, il y a des brindilles comme ça. Ce sont des encens. Vous devez les allumer. Généralement, vous faites ceci le soir, à la maison. Si c'est pour appeler les clients, vous faites ceci dans votre place. Excusez-moi. Là, vous avez votre business. Il y a de gros bâtons aussi. Vous faites ceci aussi le matin quand vous arrivez dans votre lieu de business. Vous allumez. J'ai lâché ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos aussi. Vous allumez, vous laissez comme ça. Ça va brûler. Et ça va mettre de la fumée. Voilà. Vous avez plusieurs types d'encens dans les box. Si vous avez 5 types d'encens, sortez les 5 en même temps. Ok? Regardez par exemple là. Ça et ça. Vous prenez les deux en même temps. Vous brûlez les deux, vous déposez. Bonjour la reine Corinne Mégane. Donc vous avez souvent le savon. Si vous avez un savon dans vos produits, le savon vous l'utilisez quand vous vous lavez. Et en vous lavant, tous les produits que vous utilisez, vous mettez toutes les intentions. Donc l'encens que vous brûlez, en le brûlant, vous déclarez. Voici par exemple, protection. Genre, le titre c'est « Ne me faites pas de mal ». En brûlant cet encens, je déclare que tout être maléfique dans cette maison, tout ce qui me fait, tout ce qui fait que je sois mal à l'aise, tout ce qui a possédé ou hanté cette maison, je ne serai pas longue, donc ce ne sera pas nécessaire. Je ne vais pas durer dans le direct. Donc, vous devez mettre des intentions sur les encens. Comme je brûle, parfois tu peux prendre, tu passes dans toute la maison. J'enlève tout mauvais esprit dans ma maison. Si c'est l'encens pour appeler l'argent. Tu dis voilà, j'appelle mes finances. J'appelle mes finances. J'appelle mes finances. Ces outils sont juste là pour accompagner ta prière. Ce n'est pas l'encens qui te donne l'argent. Mais parfois, vous avez les énergies négatives qui viennent rester dans vos maisons, sur vos murs, dans les coins de vos murs. Et ça vous empêche. Ça vous empêche de recevoir vos idées. Parfois, tu entres à la maison. Dès que tu entres à la maison, tu es stressé. Brûle les encens dans la maison. Bonjour Georgie, bonjour. Georgie, c'est une femme, la reine Georgie. Bonjour le roi Jean-Paul.
Je vais avoir pour ça mercredi. Là, il y a les parfums. Beaucoup d'entre vous, vous aviez déjà les produits que je vends. Mais vous ne les utilisiez pas correctement. Quand vous prenez le parfum, en mettant sur vous, vous parlez. Ça, c'est pour appeler les clients. J'appelle mes clients aujourd'hui. Pendant que je mets ça sur moi, je déclare que mes clients viennent à moi. Parce que généralement, vos conversations sont négatives. Comment ça va le business? Ah, est-ce qu'il y a même les clients? Ah, est-ce que ça donne même? Bonjour la reine Raïssa, bonjour la reine Sandy. La dame Onalia, vous connaissez tous déjà. Onalia, ça c'est pour mettre dans le bain. Avec les sels. Donc les sels qui sont dans votre papier, vous prenez un peu, un peu. Un peu de chaque sel, un peu. Vous mettez dans l'eau. Vous formulez votre prière. Formulez votre prière. Vous lisez le psaume. Psaume 91. Psaume 23. Psaume 1. Psaume 26, 35. En fonction de la situation dans laquelle vous êtes, le 35 c'est pour le combat généralement. 91, protection. 23, protection, approvisionnement. Seigneur, comme je prends ce bain, je déclare que je suis approvisionné. Je déclare que je suis protégé. Je déclare que mes mains, mes pieds ne me conduiront pas à la perte. Je déclare que mes clients m'appellent. Je déclare que parlez sur votre vie. Bon, dans la boxe, il y a encore quoi? Il y a le parfum brise tout. Comme je me parfume, je brise toute chaîne maléfique sur ma vie. Toute étreinte, toute attache maléfique, toute énergie négative sur moi aujourd'hui, je brise au nom de Jésus. Seigneur, tu es mon berger. Quand je mets ce parfum sur moi, je déclare que ta roulette automaton me rassure. Je déclare qu'aujourd'hui, tu mets une table devant moi, devant mes ennemis, en face de mes adversaires. Bonjour, Calixte, la reine Calixte. Que même si je marche dans la veille de l'ombre de la mort aujourd'hui, je ne crains aucun mal, Seigneur. Parce que tu me protèges, tu me protèges, tu me protèges, tu me protèges, tu mets le parfum sur toi. Notez, écrivez ici là, je comprends. Bonjour Karine, la reine Karine, la reine Laetitia, bonjour. Ce parfum, c'est pour activer ses pouvoirs. Comme je me parfume ce matin pour sortir, je viens activer tous mes pouvoirs. Je déclare que j'ai la puissance partout où je passe. Je déclare que tout ce que je demande, je reçois. Il y a l'huile, Onalia. Cette huile, vous pouvez l'utiliser avec le sel pour vous masser. Bonjour à ceux qui sont nouveaux. Valérie Tagne, mettez les parfums tous les jours. Si on te dit que le parfum active une barrière de protection, pourquoi tu voudrais me rester un jour sans mettre cette barrière? Quand vous venez me voir, je vous dis que quand il donne, j'ai dit fais seulement. Ne pas déposer pour la décoration à la maison. Donc je précise que les gels que vous avez dans votre, mettez un peu de gel dans l'eau avec les sels. Par exemple, celui-ci, c'est pour le bain nettoyant magique pour les pouvoirs. Conçu pour l'amour, l'argent, la chance, le succès, le combat spirituel, la protection et la puissance. Éphésiens 6, verset 12, Jean 8, verset 36. Mets dans ton eau de bain et tu ajoutes 3 sucres.
C'est votre assiduité et discipline qui va déterminer votre résultat. Une fois par semaine, vous mettez. Vous passez. Non, arrêtez. On se comprend. Les sels, j'ai expliqué. Ne m'écrivez plus dire que j'ai reçu mon paquet. J'ai reçu mon paquet, dis-moi. Je ne peux pas écrire à 50 personnes par jour. Voilà. Valérie Tagne, la reine Tagne, c'est bien. Comme tu as commencé finalement. Quand ces esprits-là viennent vous opprimer, on fait que vous ne soyez pas discipliné. Partagez ma vidéo, s'il vous plaît. On fait que tu vas faire ça une fois, après tu vas oublier. Tu rentres le soir, ah, j'étais fatigué, non? J'étais fatigué, non? Game Estella là, je t'ai pas répondu, puis écris-moi encore. Je fais les vidéos aussi comme ça pour que ceux à qui j'envoie les paquets, parce que si je dois répondre à ceux à qui j'envoie les paquets, et je dois répondre à ceux qui je dois envoyer les paquets, on ne peut pas s'en sortir. Voilà. Bon. Passez une bonne journée. Si vous avez partagé ma vidéo, c'est bien. Si vous n'avez pas partagé, c'est bien. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, je vais de poster une nouvelle vidéo là-dessus. Sur YouTube, j'ai le même nom qu'ici, The Gift Digger Academy. Abonnez-vous, vous activez vos cloches. Passez une bonne journée, ok?